Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le reportage de la cinquième partie qui a opposé Vichy Anand avec les pièces blanches contre Boris Gelfand. Alors première surprise aujourd'hui, on a vu E2, E4 au premier coup. C'est la première surprise de la journée puisque jusqu'à présent, Vichy Anand avait joué D4. Boris Gelfand a levé les yeux au ciel et a opté pour la Sicilienne. Alors c'est une de ses armes favorites bien sûr, mais on a eu le droit à la Sicilienne Svechnikov et c'est une surprise puisque d'habitude, eh bien, Boris Gelfand joue la Najdorf. Anand a été sans doute surpris, donc au jeu des petites surprises, c'est sans doute aujourd'hui Boris Gelfand qui a réussi le mieux à surprendre son adversaire. Vichy Anand a opté pour une ligne assez solide avec C4 à la place de C3, n'a pas pris beaucoup de risques puisqu'il a accusé un retard d'une demi-heure à la pendule et il faut le dire, eh bien, rien d'excitant ne s'est passé dans cette partie aujourd'hui puisqu'au fur et à mesure que les coups se déroulaient, les pièces s'échangeaient et la position s'aplanissait. En conférence de presse, eh bien, aucun des deux joueurs n'a voulu fournir des indications. Enfin, eh bien, on peut noter la présence aujourd'hui en salle de presse de Yevgeny Svechnikov qui était tout content de voir son ouverture et sa ligne apparaître sur l'échiquier. Nous lui avons posé une ou deux questions pendant la partie. Мне, конечно, приятно, что он играет этот вариант. Тем более у нас была с ним очень интересная беседа, когда мы во Франции из Ниццы летели на Корсику. И он несколько слов сказал, что 5-й Е5 очень хороший дебют. Но никогда он не играл. И я думаю, что для Ананда это неожиданно. Yann Nepomniachtchi, de retour de Cuba, il a joué le Mémorial Capablanca, nous a également livré ses impressions. Yann Nepomniachtchi qui, dès le petit déjeuner, eh bien, regardez les résultats de la partie entre Anand et Gelfand. Et comme les parties se soldaient rapidement par la nulle, eh bien, il n'arrivait pas à voir les parties en direct. But of course, this Svechnikov is very tricky, because when you don't have a rated line, it's kind of difficult to hope for some real advantage. So, here we should just play some usual normal moves, like, you know, okay, c4 is very solid line for white, you expect some small advantage when you play this, but even after this you should be ready to play some tricks, like maybe early h4 or queen d3 or whatever. Okay, the game against Timofey, I saw this. Okay, I played a lot of games in this line for white, and most of them were successful. Okay, of course, before we started the match, I would probably say that Anand has better chances. But now we see that Gelfand is very successful with black, and we should remember that there are only 3 black games for him. And I think so, that's why, okay, 3 black for white, but everything I think will be decided maybe in 10th round. So still I think that Vichy has slightly better chances. Maybe. Demain, Boris Gelfand aura les pièces blanches, mais particularité de ce tirage au sort, il y aura une journée de repos et Gelfand aura encore les pièces blanches, ce qui signifie que dans les deux prochaines parties, eh bien, Gelfand devrait pousser un maximum pour obtenir la première victoire tant attendue de ce championnat du monde. Pour ma part, je vous retrouve demain pour un nouveau reportage. À bientôt.